Derniers kilomètres, même s'ils ne sont pas dangereux, seront un peu sinueux. Attention, les coureurs doivent rester vigilants. Encore deux virages à droite et le sprint pourrait être lancé. Attention toutefois à ne pas produire son effort trop tôt car l'arrivée est en légère montée. La ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Il est dans une forme étincelante et il est en tête du... Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtels. Il est en tête... Oh là, bravo les gars. Vous avez fait une bonne étape. Finir dans le top 10 alors que l'étape ne nous convenait pas, je suis très satisfait. On commence par de bons résultats. Il faut continuer comme ça. Bonjour les gars, commençons le briefing de cette étape. C'est un parcours vallonné et casse-pattes aujourd'hui.
demander à ces gars d'assurer le tempo. Surveillez-le. Ils doivent se sentir en mesure de gagner l'étape. Il essaie de sortir du peloton. Plus que 3 km, le peloton est en train de fondre sur les échappés. Échappée terminée. On passe sous la flamme rouge et c'est parti pour le sprint. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Il va monter sur le podium pour... Il est dans une forme. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la... Il est en tête... C'est bien les gars, on est à notre place. On visait un top 10 et vous avez fait le boulot. Je suis satisfait. On prend le maillot à poids, c'est super les gars.
C'est la dernière étape, les gars, pour le classement. Encore quelques secondes avant son départ, allez, on l'encourage. Allez, ça part à la descente. Concentre-toi surtout sur ta trajectoire. Pas besoin de partir à bloc. La descente est terminée. Maintenant, faut commencer à envoyer des watts. Allez! Allez, on continue! Allez, allez! Bientôt le pointage intermédiaire. T'es en tête au dernier checkpoint. Vas-y, garde le rythme, tu joues la gagne. Allez, allez! Allez, dans 2 km, t'es au pied de Cadoudal. Attention au virage dans la descente. Allez, 1 km avant la côte. Allez, c'est parti. C'est dans la montée qu'il faut faire le max. Allez. Allez, en danseuse, allez, allez. Allez, 1 km, on s'accroche jusqu'au bout. Allez, c'est bientôt la fin. À bloc jusqu'à l'arrivée, allez, allez. Mesdames et messieurs, applaudissez-le bien fort. Voici le vainqueur. Il va monter sur le podium pour recevoir. On peut dire que le tour, il va monter sur le podium. Il est en tête du classement et il va... Bon, le podium, c'est bien, mais j'attendais plus de vous. On aurait dû gagner. On finit avec le maillot à pois, c'est super. Félicitations à vous, vous vous êtes bien battus. Je suis fier de vous.
Israël, ils sont à 7ème. Ils sont Boas, nous. Comment est-ce que j'ai gagné? Sur Chalaron et Grand Colombier, c'est Jonas Vingegaard. Pour le moment, ça ressemble plus que ce que possible dès la première étape, et c'est ce que j'imaginais avec Alaphilippe. Passé comble au séviteur de Primoz Roglic. Il y a Astana, ça nous fait un peu chier niveau qu'ils ont remporté. Ah, Carlos Rodriguez en Jamais Mont Blanc en cheval, et ça m'intéresserait en avec la, si ça pouvait se passer avec la Ineos. Merlier entre Moutier pour Cambrai, d'ailleurs Martinez a quand même pris Jones sur une étape de plaine, hein, à Bordeaux, de réaliser quand même.
Peut-être qu'ils alternent pour savoir il y en a un qui a gagné, au plan on fait gagner l'autre. Pogacar entre Belfort et le Mannheim, il a seulement gagné une étape sur ce Tour de France, Pogacar. Parce que d'habitude on gagne 3 et Jakobsen entre Saint-Quentin en Yvelines et Paris-Champs-Élysées. Alors tour. Philippe Sen en a 3. Bon, l'équipe qui en a le plus remporté. Et oui, c'est ça. C'est et nous on est 28. Mais pourquoi pas, même si on va se... Genre, certes, il a gagné qu'une... C'est vrai que là, juste comme ça, avec le col et les manches jaunes, c'est vrai que je parle tout le temps de Styros, mais c'est...